Le groupe de reconnaissance de Marchenko nous a ramené de nouveaux renseignements. Trois de ces hommes sont morts pour nous ramener des informations sur deux bases aériennes ennemies. Leurs sacrifices n'auront pas été inutiles. Aujourd'hui, nous allons effectuer une mission de reconnaissance active au-dessus de ces aérodromes. Si les renseignements sont bons, nos bombardiers largueront toutes leurs munitions sur leurs cibles. Бойцы, атакуйте цель! Слушай приказ! Не вижу цели! Вижу противника! Кто-нибудь, атакуйте цель! Никак нет! Кто-нибудь, атакуйте цель! Никак нет! Бойцы, атакуйте цель! Командир, не вижу цели! Ce ne sont pas de vrais avions, c'est du boitard ou un truc dans ce genre. Mais la TCA, elle est bien réelle. Et si nous faisions disparaître cet aérodrome factice de la caste, quelqu'un d'autre pourrait se trahir. Aidez nos camarades. Détruisez-les.
слышу, повторите, прием. Доложите обстановку, первый.
Так точно! Journal de Andrew Danilov, 13 septembre 1943. Le machiavélisme de ces sales boches ne finira pas de me surprendre. Les renseignements nous ont envoyé survoler un aérodrome ennemi avec des centaines d'avions factices en contreplaqué, mais une DCA qui était bien réelle. Nous avons rasé l'endroit pour éviter que d'autres alliés ne tombent dans leur piège. Ça leur apprendra. Les habitants de Stalingrad ont l'air heureux de nous voir. La ville était jonchée de véhicules ennemis, jusqu'à ce que nous dégagions le chemin pour nos troupes au sol. Même si notre travail est parfois dangereux, je ne l'échangerai pour rien au monde avec celui de ces soldats. Nous sommes rentrés sur un nouvel aérodrome pour nous ravitailler en carburant et en munitions. J'en ai profité pour écrire à ma famille. Je suis impatient d'avoir de leurs nouvelles, car j'ai peur pour eux, même si la ville est à nouveau presque entièrement entre nos mains.